Salut, salut les amis et bienvenue sur Blabla Foot. Allez, nos chroniqueurs du jour n'ont pas encore pris la parole, ou plutôt n'ont pas encore ouvert leur micro, mais c'est pas grave, ils vont arriver très très vite. Blabla Foot, votre radio citoyenne, où les chroniqueurs, c'est vous. Nous sommes partenaires du tournoi du Vivre Ensemble à Créteil. Vous savez, un de ces nombreux tournois qu'on appelle aujourd'hui la CAN des banlieues. Mais franchement, celui-ci a une notoriété, une résonance bien particulière. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on leur offre une émission pour venir faire leur after-match aujourd'hui, tous ensemble. On va revenir vite fait sur la journée des demi-finales qui s'est déroulée hier, bien évidemment, avec les membres de l'organisation et les joueurs qui ont participé. Mais je vous dis pas tout, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura des news importantes. Et comme d'hab, les amis, vous pouvez vous aussi, chers auditeurs, demander à intervenir ou plutôt à débattre avec tout le monde aujourd'hui. Pour cela, c'est facile, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Deviens consultant ». Et sinon, vous pouvez toujours aussi réagir sur Twitter avec le hashtag « BlablaFoot ». En attendant que moi, je fasse mon blabla, voilà, l'équipe nous a rejoint avec Moussa. Salut Moussa. Salut Mohamed. Et salut Jamel Dine aussi qui nous a rejoint. Salut à toute l'équipe BlablaFoot. Salut Mousse. Ça va ? Salut Romo. Salut Jamel. Ouais. Alors Moussa, je crois que tu es encore avec toute ta team des joueurs, c'est ça ? Non, pas du tout. Là, je suis dans un hall. Là, je suis en train de monter les escaliers. D'accord. Ça s'entend. Un tout petit peu. Ouais. Et là, je suis arrivé au cinquième étage. Je vais pouvoir me poser tranquillement. En tant que sportif, Moussa. C'est ça. Cinquième étage sans ascenseur. Exactement. Bah oui, toujours. Elle est où ta team ? Elle est où ta team, Mousse ? Là, j'ai appelé Yacine, mais il n'arrive pas à se connecter, je pense. Ouais. Et le reste, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. D'accord. Mais en tout cas, nous, on est là. D'accord, ok, bon, c'est super. Alors, attends, Jamel Dine, toi, on t'a jamais entendu sur Blabla Foot. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ? Bah, écoute, je me permets de vous tutoyer, tout ce que vous êtes, puisque nous sommes tous semblables humains et amoureux du football et du vivre ensemble. Oui. Donc, Blabla Foot, honnêtement, je l'ai découvert hier en rencontrant le président qui est venu donner le coup d'envoi de la première demi-finale. Je le connais, le président. Elle est très, très souriante, sympa, qui m'a expliqué le concept. Alors, honnêtement, moi qui suis dans les réseaux sociaux, etc., je ne connaissais pas. Oui. Du coup, j'ai immédiatement accroché en allant télécharger l'application. D'accord. Et là, Moussa, donc, on a un WhatsApp avec tous les pseudo-organisateurs du tournoi de la CAN à Créteil. Ouais. Un WhatsApp sur lequel on peut échanger. Et là, il vient de nous faire un rappel. Il est 20h. Et c'est là que je me suis connecté. Voilà, Blabla Foot. D'accord, ok. Écoute, pour une première sur Blabla Foot, bienvenue à toi. Pour l'information, Jamel Dine, tu verras, sur Blabla Foot, on a différents sujets, différents formats d'émissions tout au long de la semaine. Et tu seras toujours le bienvenu, il n'y a aucun souci. Je te remercie. Et alors, Mousse. Oui. Franchement, hier, quelle journée avec les matchs Congo-Tunisie et Maroc-Algérie. Mais finalement, est-ce que certainement… c'était pas encore plus extraordinaire en dehors du terrain. Franchement, c'est ça, c'est ce qu'on disait exactement. C'était vraiment ça qui donne le charme du tournoi. C'est l'envahissement du terrain à chaque but, les cris, les supporters qui viennent vraiment porter les joueurs. Et à l'extérieur, franchement, moi, j'ai vu ça d'en haut. À un moment, je me suis mis en haut de la colline parce que le stade, il est creusé. Et en bas, il y a une colline. Mm-hmm. Je me suis mis en haut et à un moment, il y a eu un but. J'ai vu l'envahissement du terrain. Oh, j'étais choqué. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, c'était beau à voir, en fait. Alors, moi, je peux témoigner. C'est ça. Moi, je peux témoigner. J'ai été voir. Alors, je ne suis pas resté pour le match qui allait jusqu'au bout de la nuit entre le Maroc et l'Algérie. Mais j'ai vu en entier, effectivement, Congo-Tunisie. Franchement, on va revenir rapidement sur le bilan de ces demi-finales. Alors, pas sportif d'abord. On y reviendra après. Mais juste sur le bilan de l'organisation, l'ambiance. Allô. Extraordinaire. Combien de personnes hier ? Entre 2005 et 3000, apparemment, c'est ce que les médias ont dit. Ouais. Honnêtement, je filmais hier, Mousse, tu m'as donné l'occasion de faire le live Facebook. Bien sûr. Et honnêtement, en fait, où tu tournes la tête, il y a du monde. Du coup, il y avait le pont au-dessus et les escaliers qui mènent au pont. Des gens restaient sur les escaliers, c'est-à-dire que normalement, c'est un accès. Mm-hmm. Mais là, la place qu'ils arrivaient à trouver pour voir le match en hauteur, c'est-à-dire tout était exploité. Tu n'as pas tort en disant 2500 au minimum, ouais. C'était
Hallucinant. C'est quoi votre secret? Vous avez prévu ça, hein? Vous l'avez planifié. Mouche, je te laisse parler. Il n'y a pas de secret, hein, on va dire. C'est le beau football. C'est vraiment le fait de pouvoir vraiment montrer aux gens qu'on est capable d'organiser des événements. Et après, le premier match, il n'y avait pas énormément de monde. Le deuxième, ça a commencé un peu à intéresser les gens. Le troisième, les gens, ils ont vu qu'il y avait du niveau. Et puis surtout que ça se charriait sur le terrain. Donc après, on a été médiatisé. Donc ça s'est intéressé. Et puis, ça a été repris. Le concept, il a été repris partout dans l'Île-de-France. Et maintenant, on peut même dire partout dans la France. Donc ça a beaucoup intéressé les gens. Et c'est du football. Et c'est vraiment pas que l'aspect sportif. C'est le fait de se rassembler autour d'un terrain de foot, de faire la fête. Et puis les gens, ils sont prêts à rester jusqu'à 23h. Parce que hier, on a coupé sur le terrain hier, carrément, avant la séance de tir au but. Non, mais c'est fou. Ça m'a, c'est effectivement, ça pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, hein, le match, deuxième match, les demi-finales hier, il a été jusqu'au bout de la nuit, effectivement, jusqu'à 23h, comme tu dis. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler rapidement, avant qu'on vienne sur l'aspect sportif, sur la portée de votre notoriété, finalement, au-delà, finalement, de ce que vous imaginez, j'imagine. Quelle est votre portée aujourd'hui? Vous touchez tous les médias, tous les réseaux sociaux, tous les artistes? C'est quoi le truc? C'est ça. Ouais, allô? Oui, bien sûr. J'entends aussi un enfant, mais c'est pas grave. Ouais, tu m'entends? Ouais, excuse-moi. C'est ça, c'est parce que ma fille qui pleure. Ouais, donc je disais, quelle est la portée aujourd'hui en termes de notoriété? Vous allez jusqu'où? C'est quoi votre limite? Bah là, justement. Alors, attends, Moussa, s'il te plaît, si tu as des breaking news, il faut le balancer, il faut lancer le jingle pour ça. Ouais. Mais juste avant qu'on fasse ça. Attends, Moussa. Deux secondes. J'ai quand même. Ouais. Ouais, mais alors, attends, j'ai quand même deux autres consultants qui ont pris position entre temps. Et je pense qu'ils ne sont pas que devant votre équipe. Hein. C'est des blablateurs de partout. Ah non, il y a Yas Gataga. Lui, je crois qu'il était déjà venu. Il n'y a pas de problème. Ouais, je vais le faire rentrer. Oui, ça. Oui, c'est ça, c'est le capitaine de la Tunisie. Ah oui, bah justement, j'aimerais bien discuter avec lui sur le match de la Tunisie. Yass, je te fais rentrer, hein. Ok. Ok, breaking news. Bah vas-y, t'as l'audience internationale là. Je t'en prie, vas-y. Ok, vas-y, dis-moi. Alors, tu veux le dire? C'est bon, je peux y aller. Attends, Yass, salut Yass. Ouais, salut, bonsoir. Faites durer le suspense. Salut Yass. Yass, il y a Mousse qui dit qu'il veut faire un breaking news. Ouais, donc, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la parole tout de suite ou tu interviens d'abord? On va attendre un peu. On va faire patienter un peu les auditeurs, si ça ne vous dérange pas. Ouais. Voilà, Yass, il est malin. Il a compris comment ça marche, la radio. Ouais, on attise la curiosité des gens. Ah ouais. Donc voilà, bon, Yass, il a compris. Bah, alors, Yass, s'il te plaît, tu es capitaine de l'équipe de la Tunisie, hein, c'est ça? Effectivement, ouais. Moi, j'ai vu votre match hier. Yass, alors, sur l'aspect sportif... Est-ce que vous n'avez pas fait un hold-up hier contre le Congo? Un hold-up, je dirais pas un hold-up. Voilà. Ça c'est radio. Ouais, je t'entends, ça c'est blabla foot. Donc on entend aussi effectivement les chroniqueurs qui interviennent de partout. D'accord. On peut entendre leurs femmes, leurs enfants et tout. Donc voilà, ça c'est blabla foot. Alors vas-y, Yass. Ouais. Hold-up? Allô, ou pas? Non. Comment hold-up? Remontada, je préfère le terme de remontada. Ça ne te dérange pas. Parce que c'est l'année de remontada, donc on y est en plein dedans. Explique à nos éditeurs comment ça s'est passé le match. Bah en fait, tout d'un début, c'était un match vraiment très très serré. Vraiment très serré, très tactique. Et on s'observait de part et d'autre. Alors on essayait de gratter le terrain et de gagner confiance en multipliant les passes et en gardant la possession. Alors sur un fait de jeu, on se mange un but un peu casquette, si j'ose dire. Ce qui nous met vraiment un petit coup au moral, sincèrement, il nous met un petit coup au moral, mais on y croyait toujours parce qu'on se procurait pas mal d'occasions. On arrivait à pousser, on était bien dans le match. Deuxième but, on a fini la mi-temps quand même sur 1-0, il y avait toujours 1-0 pour eux. On y croyait toujours parce qu'on avait plus d'occasions qu'eux, il me semble. Donc voilà, c'était un match vraiment très serré, beaucoup d'impact physique, ils ont été très bons avec le ballon, le Congo aussi. Mais nous, on y a cru. En tout cas, on n'a pas lâché. On est rentré un peu énervé à la mi-temps. On a discuté, on a su parler. On leur a mis du plomb dans la tête. Ils sont rentrés avec une autre détermination. Malheureusement, l'entame de match était un peu difficile. On s'est mangé un deuxième but. Ouais. Et par la suite, il y a même eu un pénalty pour le Congo. Ouais. Et on est passé au 3-0. On a failli prendre un 3-0. Ça aurait été vraiment dur.
Oui. Manque de peau, ils ne l'ont pas marqué, c'est ce qui nous a redonné espoir. On a retourné la vapeur, comme on sait toujours le faire. Tu sais, la Tunisie, si tu suis le parcours, on parle pas beaucoup de la Tunisie, mais ils sont spécialistes des remontadas. Tu peux me croire. C'est ça. Et voilà, donc à 2-2, on obtient un penalty de 1. On revient à 2-2 grâce à notre attaquant. Ouais. Le but libérateur qui libère tout le peuple de la Tunisie, justement, 3-2 au terme d'un match exceptionnel. T'as pas dit un truc. Moi, je vais vous titiller. Dis-moi. L'arbitre, sincèrement, corrompu. Corrompu pour qui, à ton avis, a été ben pour la Tunisie. Moi, j'ai vu le match j'ai vu le match sur le bord du terrain. Ouais. Sincèrement, j'étais content que vous égalisiez, bien évidemment, parce que ça faisait spectacle. D'accord. Mais l'arbitre, tu sais qu'hier vous avez joué plus de 50 minutes alors qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu dans le match. Non, en fait. Et vous avez marqué vos deux derniers buts dans les 5 dernières minutes là, entre la 45e et la 50e. D'accord. Alors, il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu. Attends, pour éteindre toutes les rumeurs qui pourraient circuler à notre égard. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, Jamel Dean. Il faut que tu parles mieux dans ton micro ou alors que tu aies un peu plus de réseau parce qu'on ne t'entend pas très bien. Oui, excusez-moi. Juste, voulais dire. Vous m'entendez pas, Jamel Dean, on n'entend rien du tout de ce que tu dis. Tu as deux micros allumés, je crois. Ouais, peut-être. Alors, vas-y, reviens, Yass, sur ce que je te dis. Franchement, l'arbitre corrompu ou pas ? Non, on peut pas dire corrompu. Regarde, je t'explique pourquoi, pour toi. Parce que... Attends. Mais faut lui demander pourquoi corrompu. Le seul qui détient le temps dans le match, c'est l'arbitre. Alors, quand les ballons, tu te doutes bien qu'on n'a pas de ramasseur de balles, même si le terrain est entouré, c'est pas les spectateurs qui vont aller chercher la balle. Mmh. Et on n'a pas des filets qui couvrent vraiment tout le stade. Donc, dès qu'il y a un ballon qui va un peu trop loin, ce qui est la logique et ce qu'on a appliqué depuis le début du tournoi, on arrêtait le temps, tout simplement. Et quand le ballon revenait sur le terrain, on relançait le temps. Mmh. Alors les gens qui prenaient le temps à l'extérieur, eux n'arrêtaient pas le temps quand Amidou l'arrêtait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui a créé ce décalage entre leur temps à eux et le temps de l'arbitre officiel. D'accord. C'est tout simplement ça. Ouais. Je voulais qu'on enlève la corruption, s'il te plaît. On va pas nous titiller. Il n'est pas convaincu. Ouais, je suis moyennement convaincu, sachant que moi je l'ai vu de l'extérieur en tant que spectateur et super match d'ailleurs. Merci. Par contre, il y a deux pénaltys non sifflés encore pour le Congo. Ils ont eu un pénalty, ils l'ont raté. Tu voulais qu'on leur siffle trois pénaltys ? Il y avait deux autres pénaltys, ouais. Ah ouais, deux autres pénaltys. dont le dernier est une main dans la surface et à la dernière minute. Ouais, vas-y, Mousse. Je peux parler ? On a fait appel à la VAR et franchement, c'était pas un pénalty. Et en plus, si tu as remarqué, tu as vu, c'est moi qui rentre sur le terrain et j'ai dit à Mito, il y a penalty, il ne siffle pas la fin. Et voilà. J'avoue, j'ai foutu un peu la merde. Il voulait vous tuer. Moi, je suis en train de célébrer, il voulait vous tuer. Mais moi, c'était pour le spectacle. Mais après, en fin de compte, on a regardé la vidéo parce qu'il a bien filmé la main. Et la personne, elle était vraiment vraiment derrière les cages. Et on a mis la vidéo au ralenti. On a vu qu'en fait, il avait la main. Et c'est la super VAR, parce que là, il y avait, je crois, au moins. Ferme la porte, sœur, j'entends rien. Allô ? Allô ? Allô, Mohamed ? C'est Moussa ? Il est là-bas, il ferme la porte. Moussa, tu m'entends ? Oui, je t'entends pas. Ouais, il faut qu'il arrête de dire. Oui, je t'entends. Il y a eu. Faut qu'on défende Amidou là. L'arbitrage, il a été nickel, non ? Ah non, l'arbitrage, il était au top. Ouais. Allô. Il est de retour. Je voulais te titiller encore un petit peu, mais en fait, finalement, le match hier, est-ce que la clé, ce n'était peut-être pas justement Junior ? Est-ce que c'était pas la clé côté Congo ? Et on a l'impression qu'il est un peu passé à côté de son match. Ben, à vrai dire, nous, on l'attendait. Enfin, au vu de ce qu'il a fait tout au long du tournoi, on savait que c'était leur joueur majeur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'ai eu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du joueur tunisien qui a fait la vidéo, qui a annoncé comme quoi on allait manger du léopard. Oui, on l'a vu. Qui était assez déterminé. Oui. Et ben, il a tenu son rôle, il a tenu parole, il a réussi à tenir Junior, on va dire, en quelque sorte. Ah oui, mais lui sur le terrain, il était hargneux. C'est lui qui aurait dû vous donner un autre pénalty contre vous. Oui, effectivement. Mais bon, il a su faire les fautes juste avant la surface, en tout cas. Et des fautes pas très méchantes en soi. Parce que Junior, c'est un manieur de ballon. C'est un joueur extraordinaire, il n'y a rien à dire. Il nous a fait vibrer tout au long du tournoi. Un grand respect à lui. Et sa présence, c'est grâce à sa présence dans le tournoi que,
que les gens aussi sont venus voir sans vouloir offenser les autres. Voilà, exactement. Ouais. Junior, c'est un des joueurs exceptionnels du tournoi, un des joueurs majeurs du tournoi. Ouais. Sa vidéo, elle est déjà à 3 millions là presque, apparemment. Ah ouais. Effectivement. Pas vu, mais 3 millions, c'est. On reçoit des messages comme quoi elle est presque à 3 millions de vues, sa vidéo. Ouais. En tout cas, fou, juste quoi. Un petit dernier mot pour le Congo, si ça te dérange pas. Oui, vas-y, je t'en prie. C'était une très très belle équipe du Congo. Ils ont fait un très très beau tournoi. Manque de peau, ils sont tombés contre une équipe des Remontada. c'est pas facile. Mais en tout cas, j'ai un grand respect pour cette équipe-là. Et j'espère les revoir encore peut-être plus fort l'année prochaine. D'accord, ok. Hey, Mousse, nos auditeurs ne peuvent plus attendre. Tu avais une breaking news. Breaking news. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Bon, mais tu mets le jingle ou on ne met pas le jingle? Tu veux que je mette le jingle? Vas-y, il suffit de demander, les amis. Il n'y a pas de souci. Regardez le jingle. Allez, t'as 20 secondes de jingle. Ok. Breaking news. J'ai reconnu, c'est Olivier Cram. C'est ça, exactement, t'as gagné. Espèce de vieux de la vieille. Pour France-Chine. C'est bon, arrête le jingle, s'il te plaît, attends, mon maître. Vas-y, je t'en prie. Bon, chers auditeurs, chers spectateurs, chers joueurs, chers tous. Alors, la CAN de Créteil, on va dire qu'on a lancé le délire. Oui. Maintenant, on va faire notre première finale. Je pense que ça va être nous qui allons faire la première finale dans toutes les villes parce qu'on a commencé un peu avant tout le monde. Mm-hmm. Donc, nous, notre finale, ça va être dimanche. Oui. Et on va la faire sur le grand terrain du stade de Créteil de Ligue 2. La finale sur le grand terrain. Mais alors, oui, vas-y. Donc, on va jouer sur le grand terrain. Donc, on a été respecté par la ville. Notre tournoi, il est vraiment reconnu. Donc là, ils disent que ce qu'on a fait, c'est énorme. On a réussi à réunir plus de monde que le club. Donc forcément, ils peuvent que nous ouvrir leurs portes et nous dire de venir jouer la finale sur le grand terrain. Super. Voilà. Super. Mais alors, ça c'est génial pour vous, c'est incroyable. Donc ça veut dire que vous allez être capable de remplir un stade de combien? De 5 000, 7 000 ou 10 000 places, c'est ça? Il y a au moins 15 000 places, je pense. Mais nous, en fait, on va ouvrir la tribune présidentielle qui fait 1100 places et la tribune d'honneur qui fait 5 000 places. Super. Donc, si on remplit ça, déjà, c'est génial. Super. Donc, c'est à Créteil. Venez nombreux. C'est gratuit. Il n'y a rien qui est payant. Donc, niveau sécurité, vous pouvez venir avec vos enfants. Il n'y a pas de problème. Ça va être dans les gradins. Il n'y aura pas d'envahissement de terrain pendant les buts. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a promis. Donc, ça enlève peut-être un peu du charme du tournoi, mais au moins, on est respecté, on est reconnu. Et c'est vraiment, ça prouve comme quoi, les gens ils s'intéressent vraiment à ce que les jeunes font dans les quartiers. Ouais, mais franchement, c'est extraordinaire. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire. On ne va pas rêver mieux pour faire mieux. C'est Jamaldine, juste pour Mohamed. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, je te remercie. Pour te rendre compte un petit peu, si tu veux, l'équipe de Créteil, l'équipe 1, joue là-bas. Une fois toutes les deux semaines. Oui. Et l'équipe réserve n'a jamais eu l'autorisation d'utiliser la pelouse. D'accord. Donc, c'est pour te dire que les gens même du club, c'est un prestige de pouvoir jouer là-dessus. Donc, d'accord. Aujourd'hui, la ville, certains ont convoqué les membres de l'organisation en leur disant « Voilà, on vous fait le cadeau ». Et je peux t'assurer que pour avoir participé, ça a été pratiquement 2 heures de débat. Oui. Où on n'a pas voulu leur dire d'accord, on a le terrain, on va accepter les conditions que vous nous dites. Oui. On a aussi imposé certaines conditions, notamment le fait qu'on voudrait que que ce soit sécurisé, donc pas de, vous voyez, les gros pétards, ça les gars. Ouais. Les fumigènes. Oui. Non, mais gros truc, là, les mortiers. Ah, les mortiers. Voilà. Tout ça, on est obligé à un moment. On veut pas que… Voilà. Même moi, si je ramène mes enfants, j'aimerais être en sécurité. Donc, c'est pour dire à toute l'Île-de-France et à la France entière que si vous voulez venir supporter la Tunisie, le Maroc ou tout simplement le football, vous pouvez venir en toute sécurité, vraiment. Là, il faut que vous soyez à l'aise, tranquille. Ça y est, c'est du… Voilà, c'est plus comme ce qu'on a vu hier, Mohamed.
D'accord, mais alors, attends, mais Mousse, je suis obligé de te dire quand même, aujourd'hui, vous avez réussi à absorber jusqu'à à peu près 2000, 3000 personnes. Comment est-ce que vous allez faire pour absorber 5000, voire plus de monde pour cette finale? Bah, y a beaucoup de gens qui voulaient participer à la base, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y a pas de place assise. Ça, il y a des femmes enceintes, il y en a qui ont leur bébé en bas âge, donc forcément pour la sécurité, c'est compliqué. Et maintenant qu'ils ont la sécurité, bah, tous ceux-là, ils peuvent se rajouter et se joindre à nous pour faire la fête tous ensemble. D'accord. Et à part ça, Mohamed, oui. Si je peux, vas-y, si je peux me permettre d'arrêter quelque chose, c'est une finale. Oui. Quoi qu'il arrive, on est sur une finale. On n'est plus sur des matchs de poule que tout le monde peut attendre des résultats, tu vois ce que je veux dire, tranquillement à la maison, ou une demi-finale pour savoir c'est qui le vainqueur. Là, la finale attise des curiosités, surtout que c'est deux équipes auxquelles on n'attendait pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, qui ont créé la surprise, qui ont éliminé les gros favoris du tournoi, justement. Donc, je pense qu'une finale, ça attire toujours du monde, quoi qu'il arrive. Alors, certes, encore un peu plus de monde avec les gens qui ne pouvaient pas se permettre de venir, vu qu'il n'y avait pas de place assise, donc moins de sécurité. Maintenant qu'il y a de la sécurité, il y aura et ces gens-là, et les gens qui ont attendu la finale pour arriver. D'accord. Et rappelez-moi le programme, c'est 18h30, hein, la finale dimanche, c'est ça? 18h. Vous pouvez venir à partir de 18h15. Le coup d'envoi sera donné à 19h. Et quelles sont les animations prévues à côté, en marge du match lui-même? Il y en a ou c'est juste le match? Bah, en fait, on a rendez-vous demain avec le stade du Vauchel en question. On va aller directement là-bas pour voir les animations qu'on va faire à la mi-temps, etc. Donc là, en tout cas, c'est quelque chose d'énorme. Quoi qu'il arrive, pour nous, ça reste quelque chose d'énorme. Parce que nous, on avait prévu autre chose. Nous, on avait prévu de ramener des châteaux gonflables, etc., pour mettre sur le terrain dès le matin pour les jeunes et tout. On verra si on peut toujours faire ça parce que là, c'est une grosse préparation en fait. Ouais. Donc là, on va avoir des réunions avec les responsables et tout. Et Moussa, il y a des centaines d'auditeurs. Est-ce que est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou enfin des gens qui participeraient pour vous aider dans quoi que ce soit? On ne sait jamais. Bah, si les gens ils veulent déjà venir par rapport à assurer la sécurité dans les tribunes, il n'y a pas de problème, ils sont tous les bienvenus. S'ils veulent venir, par exemple, s'il y a des secouristes, je ne sais pas, il y a des médecins, il y a des gens qui veulent venir et qu'on ne sait jamais s'il y a un malaise, bien sûr, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On vous contacte à partir de votre Facebook, j'imagine, c'est ça? Sur le compte Facebook, alors le tournoi du vivre ensemble. Le tournoi du vivre ensemble. Franchement, je tiens à souligner aussi, Didine, ça a été notre paga. Attendez les gars, si vous n'avez pas encore vu les lives, il faut aller voir les exactement, il faut aller suivre. Ils sont enregistrés, on les a partagés. Et on a trouvé notre paga de Créteil. Parce qu'il a fait un commentaire exceptionnel. On a atteint les 128 ou les 200 spectateurs sur le Facebook Live. Parce qu'il y a des gens qui étaient sur live de Bordeaux. Marseille. Dakar. Ouais. Les Dakar, ouais. C'est un aimant. Didine, c'est un aimant. Ici, il a le pagé la et Mohamed. Ouais, Mohamed, vas-y. Tu sais, les centaines d'auditeurs qui nous écoutent et qu'on remercie du fond du cœur, ouais. S'il vous plaît, venez déjà à Du Vauchel. Je vous dis, c'est un stade officiel, donc vous aurez votre entrée, votre strapontin, votre place. Et en ce qui concerne les organisateurs, Mousse, Yaya et toute leur bande de copains, moi, je suis d'un quartier voisin, j'ai 15 ans de plus qu'eux en moyenne. Ils m'ont accepté les bras ouverts. C'est des gens qui avaient besoin… qui sont ouverts au conseil, ils sont pas bornés. À partir du moment comme toi, tu es venu vers nous, on t'a tendu les bras aussi. On s'est pas dit non, on veut personne, on veut pas passer à la radio. Tu comprends? Ouais. Ces jeunes-là, la centaine qui nous écoute, on leur dira simplement, venez avec des bonnes intentions. T'as un potentiel de 800 auditeurs. Voilà. Bah, salut tout le monde, mais vraiment venez dans une intention festive. Il va faire 32 degrés, ça va être fin de journée, donc. Alors, en termes d'animation, on peut pas proposer grand-chose. Certains jeunes, et donc on pourra même pas faire de… Voilà, c'est un peu compliqué, mais l'ambiance avant tout, ça va être la beauté du spectacle de ces deux équipes qui sont revenues de loin. Le Maroc menait 4 fois au score. 4 fois, ils reviennent à 4-4 et au tir au but, ils s'en sortent. Et alors justement, mais parlons un peu sport quand même. Effectivement, bon, moi j'ai vu le Congo. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être Junior qui a fait la vidéo qui fait plus de 3 millions de vues sur Internet. Si vous ne l'avez pas vu, les amis, franchement, allez le voir. Recherchez ou allez sur la page Facebook du tournoi du Vivre Ensemble. Vous allez voir, c'est extraordinaire, vraiment. C'est un geste à la Neymar plus. Mais franchement, il faut aller voir. Donc du coup, moi je disais qu'effectivement, Junior, il est passé à côté de son match hier. Donc je pense que c'était vraiment la clé du match qui a fait que la Tunisie a pu revenir et puis gagner contre le Congo. Et même si l'arbitre, selon moi, il est un petit peu corrompu, mais bon, ça, on va pas trop.
Ouais, non, mais c'est vrai, peut-être qu'il y avait l'attente était trop grande pour Junior, donc il a pas réussi. Mohamed, mais non, pas du tout, mais moi je suis même pas d'origine congolaise, toi. Et d'ailleurs, pour information, il mettait vraiment l'ambiance, les supporters congolais. Effectivement, ça c'est vrai. C'est dommage qu'ils les aient perdus pour la finale, c'est vraiment aussi par rapport à ça et par rapport au spectacle. Donc, comment ils jouent ce Junior, tu sais, vous savez, les Tunisiens l'ont bien cerné. Et cette vidéo qui a fait le buzz. Clair. Il se devait d'encore être à la hauteur. Et ouais. Moi, je l'ai dans le terrain, je le voyais. Oui. Il me regardait, il n'avait plus le même regard, il avait non. Le même sourire, ouais. Mais un peu plus crispé. Ouais, c'est ça, l'attente était trop grande pour lui, c'est vrai. Exact. Ouais. Mais ça joue, ça, même pour les pros, c'est pareil. C'est-à-dire que quand un joueur est hyper attendu, généralement, ça lui met une pression supplémentaire et ça le crispe un peu. Effectivement. Et... Au niveau qu'on est, on n'en dormirait pas de la nuit. Hein. Ouais, c'est clair. Et, bah alors, on revient quand même un petit peu sur le Maroc-Algérie. Les Algériens, quand même, on peut dire que aussi, c'est des ambianceurs. Bon, l'Algérie, c'est un petit comment ça va se passer maintenant. Le match au bout de la nuit hier, là. Oh, c'est quoi ces matchs qui vont jusqu'à 23h dans la nuit? Ah, mais c'est des fous. C'est des fous. Le peuple algérien est complètement malade. Moi, je l'ai dit hier. C'est... Franchement, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Hey, tu sais, moi, Mohamed, je leur disais de reculer. Mais j'étais obligé, en fait, je me retenais de rigoler, mais qu'est-ce que je me suis marré à côté des supporters. J'entendais des trucs, franchement, c'était super. Ah non, il y avait un punchline, je pense, un Algérien qui avait pris un mégaphone pendant le match de la Tunisie. Ouais, comme la Tunisie était menée 2-0, il a dit « Les Tunisiens, je rachète vos pétards, ramenez-les » Ils sont exceptionnels. Non, c'était trop fort. C'était excellent. Non, mais c'est fou, parce que le mec avec son mégaphone, il faisait le commentaire de match en direct pour les milliers de personnes qui étaient sur le terrain, quoi, n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, t'as pas entendu, moi je suis allé du côté du Maroc, quand ils ont égalisé les 3-0, là. Mmh. Et les Marocains, tu sais ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais les Algériens, ils sont où? Ils sont à Marrakech. Ah, ça chambrait. Tu sais, depuis qu'on est petit, le Maroc-Algérie, c'est vraiment les frères ennemis. Mais vraiment, voilà, le match, à ne pas perdre. Ouais. Mais honnêtement, moi-même qui suis d'origine algérienne, des parents algériens, voilà, je vous assure, pardon, je suis content que ça se soit fini comme ça. Oui. Le cœur a parti en chantant, le perdant est parti malheureusement, pas en pleurant, mais en tristesse. Si, moi j'ai vu des enfants pleurer hier, ça m'a aidé. Bah oui, il y avait des enfants qui pleuraient. J'ai pas voulu filmer, mais il y avait des enfants qui pleuraient, j'étais choqué. Non mais c'est ça en fait. Je me suis dit, c'est rien, c'est pas la coupe mais du si, monde. Mais si. Tu m'as dit, mais l'Algérie a perdu. J'ai dit, mais c'est ça qui est extraordinaire, il faut le dire à nos auditeurs, parce qu'il y avait pas mal d'enfants aussi effectivement dans votre tournoi, et c'est différent du tournoi qu'on a couvert, parce qu'on avait été voir quand même celui d'Evry-Courcouronnes, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Mais vraiment, à Créteil, il y a aussi des gens qui viennent en famille avec des enfants. Et les enfants se prennent au jeu. Donc, ils croient vraiment qu'on est la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Il y avait des gens en fauteuil roulant, Mohamed, des handicapés qui venaient en fauteuil roulant. On leur disait, mais ça va, vous n'avez pas trop peur et tout. Ils disaient, ah bah non, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Voilà, vous êtes des gens comme nous, etc. Et tout. Franchement, ça m'a poignardé le cœur. Je me suis dit, ce qu'on a réussi à faire, c'est énorme. On a touché tout le monde. Mais Moussa, aujourd'hui, vous êtes visible, bien évidemment, au niveau national, voire international. Mais ça vous met, vous aussi, bien évidemment, une petite pression supplémentaire. Parce que finalement, c'est quoi la suite? Que se passe-t-il après ce tournoi? Bah, nous, on avait déjà prévu. Après, on va se reposer. Il y aura l'exclusivité. Donc, on verra ça après. On va se reposer, Mohamed. D'accord. Alors, je viens de recevoir un mail. On peut nous prévoir, les gars, ramasseurs de balles, téléchargement des hymnes nationaux sur clé USB. Ok. Bah, en direct, Momo, tu l'as en direct. Blabla foot, l'organisateur de match. Grâce à ta radio, on a aussi des sollicitations qui nous arrivent. Et voilà, on t'en remercie vraiment, Mohamed, parce que l'air de rien, nous, les gars, ils ne cherchent pas la gloire. Hein. Au début, ils voulaient faire leur petit terrain. Mais on s'ouvre, mais pas à n'importe qui non plus. On veut pas se racheter par tu comprends. Ouais. Voilà, pour la finale, c'est un honneur. On va pas non plus… on n'a pas de sponsor, tu vois, l'arbitre, il n'a pas de maillot d'arbitre, jaune fluo ou quoi que ce soit. On fait avec les moyens du bord. D'accord. Voilà. D'accord. C'est clair. Mais... Après, c'est... Oui. Ouais, c'est comme on disait, nous, nos moyens, c'est vraiment l'envie de bien faire les choses. Et franchement, c'est avec des bonnes intentions, on ne peut que réussir en vérité. Franchement, au début, c'était on partait d'un petit tournoi de quartier. Et on s'est dit, venez, on donne aussi la chance aux autres quartiers de la ville.
de le faire. Et on s'est dit, bon, bah écoute, il y a des quartiers, c'est un peu chaud, on peut pas réunir tel quartier. Mais on s'est dit, allez, on le fait quand même, on essaie de mettre de la bonne volonté, on essaie de faire passer le message positif, de faire montrer qu'on peut vivre tous ensemble dans les banlieues, etc. Et en fin de compte, comment ça marche super bien. Mmh. Et c'est énorme, parce que nous, on fait pas dans un quartier, on fait dans toute la ville de Créteil. D'accord. Plus de 110 000 habitants quand même, c'est... C'est pas rien, tu vois. Les amis, on va finir sur les pronos, parce qu'il faut que je rende l'antenne. Mais avant de faire les pronos, est-ce qu'on peut envisager, comme ça, une Coupe du Monde dans votre quartier, une fois qu'il y aura la Coupe du Monde? J'imagine, là, vous avez fait Coupe d'Afrique, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive dans 3 semaines. Mais est-ce que s'il y a une Coupe du Monde, on peut imaginer faire des équipes? Le 8 juin. Donc, d'abord, on se repose, comme il a dit Yacine. Et après, Mohamed, on en reparlera. D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, les pronos pour la finale, les amis. Nous, on ira voir, bien Mohamed, sûr. Juste un petit mot pour le... Parce que là, pour l'instant, en fait, toi, tu es notre partenaire, il n'y a pas de problème et tout. Tu peux venir couvrir tous nos matchs et tout, etc. Tu es le bienvenu. On a dit qu'on allait faire nos afters, nous avons match et tout avec vous pour travailler tous ensemble. Mais aussi, je tiens aussi à remercier Mehdi de l'association Humanité. Tu peux nous expliquer un tout petit peu hier, parce que tu as donné le coup d'envoi. Oui. Tu peux expliquer à tes auditeurs pourquoi tu as donné le coup d'envoi pour Humanité oui. ou pas? Ah oui, alors effectivement, pour nos auditeurs, BlablaFoot a été... J'ai représenté BlablaFoot pour aller donner le coup d'envoi du premier demi-finale d'hier. Tout simplement parce que derrière, effectivement, l'association Vivre Ensemble est associée à une autre association qui a vocation humanitaire à creuser notamment des puits en Afrique, je crois. C'est bien ça. Évidemment, pour eux, c'est... Alors, votre association est à but non lucratif. Ils font ça gratuit. Les mecs ne sont pas payés. Par contre, ils soutiennent aussi tous les fonds qu'ils peuvent récupérer grâce à ce tournoi, notamment par des dons exclusivement, ils soutiennent une autre association à but humanitaire, justement. Et donc, BlablaFoot s'est associé à cela, a donné un premier chèque, mais symbolique, bien évidemment. Et tout un chacun, vous, auditeurs, vous êtes encore nombreux à nous écouter. N'hésitez pas, alors, ce n'est pas par BlablaFoot qu'il faut passer. Il faut passer directement par leur page Facebook, ça s'appelle le tournoi du Vivre Ensemble. Vous pouvez faire des dons directement à leur association et eux, ils redistribueront ça directement à... aux associations qui font les buts. En fait, on travaille avec une seule association qui est Humanité. Oui. Et cette association construit des puits depuis très longtemps. Donc, on s'est dit, on peut le faire nous aussi, mais on va donner à une association qui a l'expérience, qui l'a déjà fait et qui le fait toute l'année. Donc, du coup, on s'est dit qu'on va récolter des fonds pour eux pour construire un puits du vivre ensemble. Super. Puits, ça va être le puits du tournoi du vivre ensemble. Et franchement, hier, tu nous as vraiment fait plaisir et tu as été le premier donateur. Pour construire des puits en fait avec l'association Humanité. Ouais. N'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Vous êtes allé la page Humanité de faire des dons au nom du tournoi du Vivre Ensemble. Si vous pouvez pas nous les donner à nous, parce que je comprends aussi qu'il y en a peut-être qui vont se dire ouais on va pas faire des dons à eux etc. Si vous voulez faire des dons, allez directement sur la page Humanité, vous faites des dons et vous dites c'est au nom du tournoi du Vivre Ensemble. Tu peux donner l'orthographe de Humanité. Alors c'est U 2MANITE. Voilà, ok. Le message est passé. Donc, nous, on est support, il n'y a aucun souci. Allez, moi, mon prono pour Algérie-Maroc. Non, ce n'est pas Algérie-Maroc, excusez-moi. C'est plutôt Tunisie-Maroc. Moi, je donne Maroc gagnant. Parce que Tunisie, hier, ils ont trop bénéficié de ça. Ils ont trop bénéficié d'un arbitre corrompu. Ça, je l'ai compris. Le match était trop truqué hier. C'est pas grave. Je sais que ça dit quoi, donc 2-0, combien t'as dit? Moi, je donne Maroc gagnant. Allez, 1-0. D'accord. J'ai cru que tu allais mettre Congo gagnant encore. Mais non. Ah ouais, c'était limite. Hein. C'était limite. Non, mais hier, le match, quand il est fini, j'ai eu peur pour l'arbitre. Hein. Je me suis dit, il va se faire embrouiller par tous les milliers de supporters. C'était la VAR. Franchement, super sympa. Les Congolais, même, on les a découverts parce qu'il y a des gens qui viennent en dehors de Créteil. Du coup, c'est un peuple qui est très dansant, souriant. Voilà, grand respect. Venez dimanche, les Congolais, s'il vous plaît. Je pense qu'ils sont de la partie encore. Merci beaucoup, les amis. Je dois rendre mon pronostic. Merci à toi. 5-2, 7-2 pour la Tunisie. 7-2. Ouais. Ah ouais, quand même. Bah, écoutez, vous êtes, bien évidemment, vous êtes encore invité à faire votre after de la finale sur BlablaFoot. On peut vous caler ça dès lundi ou mardi si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. D'accord, avec plaisir. Très bien, avec plaisir. Allez, portez-vous bien. Bonne préparation. Aussi. Et puis, nos auditeurs, merci. Vous êtes vraiment très nombreux jusqu'au bout. Merci encore à vous. Et nous, on se retrouve dès, de toute façon, quoi qu'il se passe lundi pour la Radio Libre. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Salut à tous.